Et bonjour, c'est la suite de Resident Evil 7, Not a Hero, le DLC. Donc la dernière fois on était allé là-bas, je crois qu'on était allé là mais je suis pas sûr. Et dans le doute, on va y aller. Que me dit la map? Ah mais non mais d'accord, c'était ici cet endroit, l'endroit du mal, ok. Ah donc c'est la porte rouge, on n'est pas allé tout au fond. On n'a potentiellement pas tout vu. Parce que j'osais pas. C'est ça? Bon, peut-être. Mais il me semble. Donc retourne ici. Voilà, là il y avait notre pote. Enfin, un de nos potes. Parce qu'on a trouvé 2 sur 3 pour l'instant. Autant vous dire que ils n'étaient pas dans un très bon état. On s'était arrêté sur un monstre. Mais je crois que la porte était verrouillée. Hein. On sait pas, c'est pas clair. Mais j'ai plus de balles pour gérer le monstre. Ça va bien se passer, ça. Ouais. Ah, il est là. Hein. Et j'ai toujours pas de balles. Comment ça, tac, 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 tac? Ah ouais. Ah, il est vénère. Hein. Il est vénère. Ça me perturbe. Ouais. Non mais. Impossible de crocheter cette serrure. Superbe. Salut hein. La manivelle, je l'avais actionnée. Non bah ok, du coup en fait c'est pas pour maintenant. Pour plus tard. Ok. C'est tout ce dont je voulais être sûr. Attention, demi-tour. Ouais, il est loin. Il est loin, mais tap tap tap. Oh non, il est loin. C'est bon. Bon bah tout va bien. On est vivant. En bonne santé. Bon, on a un collier autour du bras qui menace d'exploser à tout moment. Mais ça, à la limite. Quoi de plus normal? On a une nouvelle pièce antique. Hein. Écoutez, voilà. Comme quoi ce passage n'aura pas été vain. Ouais. Ah oui, et ouais. Et ouais, on avait mis un pied dans cette zone démoniaque l'épisode précédent. Sauf qu'il faut pas marcher sur les plaques, ça fait des dégâts. On va s'amuser ici, je sens. Non mais regarde ce que tu lootes avant de looter. Bon, j'ai looté des balles, mais... Peut-être pas looter que des balles. Alors, est-ce que les monstres... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, Lucas... Tu m'emmerdes, Lucas... Tu me fatigues, Lucas... Tu me dagotes... Bah, crochet. Attendez, pendant que je crochette, hein, je vérifie. Non, mais regarde les munitions. Très bien, c'est des bonnes munitions ça. C'est des munitions pour mes potes. Pour mes potes. Après que 2 balles, je suis un peu la gueule. Mais bon. Donc là, alors j'appuie sur contrôle, mais comme j'ai plus de soins ou que je suis full vie. Visiblement parce que je suis full vie, ça me l'a pas compté, visiblement. C'est miraculeux, ça me paraît bizarre. Oh mais non mais... J'ai pas envie hein. Je voulais tester. Ça c'est quoi? Ah bah oui. Encore une fois j'ai appuyé sur contrôle, mais miraculeusement tout va bien. Je devrais actionner certains pièges. Hein. Parce que là, imaginez, il y a un monstre là et que je dois fuir. Bah je suis pas. Je suis pas parce que je vais me prendre le piège. Pas refermer. Ça se referme tout seul. Et là, il y a quoi? Rien. Enfin, quelque chose, mais pas pour tout de suite. Non, mais c'est le Doomguy. Hein.
Ah! Ouais, c'est ça qui m'avait tué, hein. Arrêtez les bruits dégueulasses. C'était cette merde qui m'avait tué, hein. Je m'en rappelle, hein. Oh, attendez. Ouais, non, ok. Y'a pas un délire de temps de recharge un peu plus long au début. Ça, c'est un jouet de Lucas. Lucas? Oh bah oui. Ah bah là, c'est l'éclate de Lucas, là. Je peux éclater les ballons. Meilleur jeu. Meilleur jeu, tu peux éclater les ballons. Mais alors, attendez, je peux tout pousser, là. Mais qu'est-ce que... Oh là là. Vous le sentez venir? Vous sentez venir la bestiole? Ça, il faut que je... Voilà, il y a des ballons d'anniversaire. Grosse éclate. Quoi, Graou, Graou? Ah, bah ouais, bah ouais. Non, j'ai pas tiré. Il a explosé tout seul, ouais. Super. Non, mais à chaque fois que je vais faire ça, il va avoir un Graou Graou. Ah! Graou. Bon. Parce que là, je peux faire ça, mais ça n'apporte rien. Ici, y'a quoi? À part rien, y'a quoi? Ma déception. Très bien. Ouais. On est parti pour faire ça. Et on va pousser sur les ballons. À fond, les ballons. Ouais! Toi, tu sers à rien. Toi, t'es là pour la beauté du geste et du spectacle. Salut. Là, j'aimerais bien avoir l'appareil à vision nocturne pour voir les pièges. Visiblement, il n'y en a pas. Bon, là, il y a cette porte démoniaque que je peux pas ouvrir. Il y aura peut-être mon troisième pote. Bah ouais. Ah merde. Ah mais non. Ouais, c'est vraiment l'anniversaire de Lucas, super. Mais déjà faite celle-là, Lucas. Pourquoi tu te sens obligé de recommencer? C'était pas drôle la première fois déjà. Hein. C'est pas une super fête. Ok. Oh mais... Ah si je pouvais, hein. J'aurais essayé. Coucher. Couché, 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 couché. Oh merde. ça va pas marcher, évidemment. J'ai dit couché. Pas de raison. Pas de traitement de faveur ici. D'un moment, vous êtes tous des zombies. Hein. Bah ouais, mais non. Vous m'emmerdez. Je vous déteste, vous. Ah non, pas ces bestioles. Bon, bah là que les clowns. Bonne ambiance.
Bonne ambiance. On va pouvoir aller au... Ah oui, super. Non! Bah oui, il a appuyé sur contrôle, évidemment. Évidemment qu'il fallait que j'appuie sur contrôle. Je fais limite rebind, en fait, hein, mais bon... Peut-être pas en arriver là. Je passe là-dessous, moi. Alors oui, là je passe. Mais alors attendez, non, attends, attends. Hein. Voilà. Bon, parce que eux, je passe dessous, mais lui m'emmerdait. Autant vous dire qu'il m'emmerdait, s'il. Hey, non mais... Tiens bon, j'arrive. Ah, y'a un mec, j'ai pas vu. J'ai pas vu où il était. Il est où? Non. Alors attends. Attends 2 secondes, parce que là, c'est compliqué. Non mais... Lucas, t'as abusé, là. Là, Lucas, tu déconnes. Là, Lucas. Non mais... Au secours. Non mais Lucas, je peux comprendre que tu sois fan de parcours, mais à ce point... Non mais là, y a un problème au bout d'un moment. J'ai tenté. Les grenades incendiaires inflamment la zone d'impact, les grenades neurotoxines paralysent temporairement les ennemis. Ça va? Oh là là. Tiens bon, j'arrive. Du coup, je peux pas faire ça. Si je fais ça, genre, c'est fini. Ouais, voilà. Non, mais on teste, hein. Tant qu'à faire, autant tester, hein. J'ai envie de dire. On n'est pas un héros. Hein. Oh non, mais oh. Pourquoi mettre ça? Hey, ça va? Bon, j'ai toujours pas vu le mec. Hein. Ah, il est là! Tiens bon. J'arrive. En fait, il était en face de moi. Bien oui, bien sûr. C'est pour ça que je le voyais pas. C'est pas que ça me stresse, hein. Mais je vous avoue, ça me stresse un peu quand même cette phase. Mais vas-y là, tu veux. Je passe là, là. Au secours. Je vois. En vrai, en VR, ça doit être horrible ça, comme phase. Je pense. Moi, je serais pas bien, je pense, en VR. Bon, ça va? Ça va, Pépito? Pas l'air d'aller, hein. En fait, t'es... T'es vivant ? C'est mal joué, ça, mon fichou. Oh non. Tu peux mourir maintenant, Chris. Putain ! Bah merde! Fallait que je fasse quelque chose? J'étais censé faire quelque chose? N'essayez pas de secourir votre coéquipier tant que les pièges sont encore actifs. Hey, ça va? Tout simplement. Tiens bon, j'arrive. Tout simplement en fait, oui. En fait, effectivement, ouais. Peut-être que si je désactive les pièges avant, ceci ne m'arrivera pas. Donc non, c'était pas un truc que je... Genre juste je me suis piégé comme une merde quoi. C'est tout. Parce que j'ai vu mon pote, je me suis dit ouais mon pote. Trop bien mon pote. MDR mon pote. Alors du coup pas interagir. Il est marrant lui. Je fais quoi moi? Ah oui d'accord. Imaginez, il y avait une planche de bois qui touchait le laser et ça actionnait le truc. J'étais mort. Ouais. Restons méfiants quand même. Je pourrais abandonner mon pote là. C'est ça la bonne solution. N'abandonnez pas votre coéquipier. On me le rappelle au cas où. Fallait tenter. Hein. Hey,
Hey, toujours en vie? Ouais, c'est toi? Merci. Je commençais à croire qu'on nous avait laissé tomber. Je crois qu'on peut sortir par là. Il est toujours vivant? Attendez, c'est louche. Attendez, c'est louche, il est vivant. Lucas est un putain de psychopathe. Ouais. Je sais pas ce qui est pire, lui ou ses choses. Oh. Il faut qu'on se tire d'ici. Je te dirais bien que c'est lui en fait. Parce que les choses, au moins, elles font pas exprès, quoi. Elles font pas exprès d'être sadique et de te massacrer. Mais bon. Après, je sais pas, est-ce que tu... Ouais, non, effectivement, entre rester enfermé avec un zombie et rester enfermé avec Lucas, je crois que le choix, il est vite fait. Je crois que la question, elle est vite répondue. Non, mais toi, tu vas mourir, toi. Ouais. Dis-moi que c'est pas vrai. Merde. Enlève-moi ce truc. Non. Bah ouais. Je sais pas pour toi, Christopher, mais je commence à en avoir marre de ces petits jeux. Trois hommes, Lucas. Trois de mes hommes sont morts à cause de toi. Mais crois-moi, c'est la dernière fois. Je crois pas, non. Ça va faire quatre soldats morts dans un instant. Tu vas échouer. Et ensuite, tu vas crever. Ouais. Ouais. On a un problème ici. Ouais. Petit problème, ouais. Retourne à la caserne centrale et attends mes instructions. Ne laisse pas tomber. Caserne centrale. Oh, on va se faire aggro. Reviens. Toi, viens. Et toi, meurs. Non, j'ai... Voilà, j'ai dit meurs. Mais non, mais... Quoi? Comment ça, une balle dans la tête, ça a pas suffi? Non, y a pas de piège, là. Y a pas de piège. La caserne centrale. Les vidéos de la première unité ont révélé la présence de bouteilles d'azote liquide près d'ici. Tu pourras peut-être désactiver la bombe en la gelant. Où sont les bouteilles? L'air de stockage dans la zone d'extraction passe par la porte rouge. La porte rouge, oui. Ok, c'est parti. Bon, là, on va avoir toutes les menaces de la Terre, ouais. Coucher. J'ai dit coucher. Allez. Ah. Ok. En vrai, je vais changer de munitions. Parce que je m'attends au gros monstre. Ouais. Prévisible. Un peu moins prévisible. Ouais, faites votre vie, ouais. Si vous êtes trop proche, on règle ça. Pas de soucis. Ouf, la porte. Ouais, bon, ça c'était en trop, mais bon. J'ai pas le temps de faire ça. Ah ouais, des munitions à gros. L'azote liquide se trouve juste un peu plus loin. Mais prends les munitions. Alors je connais pas le vrai nom des munitions, hein. Mais bon, en vrai on est bien niveau temps là, je pense. On a encore le temps. Prendre le temps de faire ça, quoi. Où elles sont, où les pièces antiques là? C'est sûr, ils ont caché une pièce antique.
Non, bon, on a dit qu'on se grouillait en vrai. En vrai, dans cette situation, tu cours jusqu'à désamorcer la bombe. T'oses pas toutes ces... questions. Iten... Ouais, ouais, super. Ah ouais, mais c'est gros, ça. Peut-être un poil trop gros à mon goût, ça. Bah ouais, mais ça le bait. Je fais comment, moi? Pas que, mais j'ai plus qu'une balle, moi. Mais non! C'est la merde. Parce que j'ai rien pour... Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Je vais tout lui claquer dessus, mais... Tu veux pas mourir? Genre juste pour voir. Ça dirait pas de... Tu sais, genre mourir? Comment ça? Très décevant. Je vais me faire toucher. Je vais me faire ouvrir. Non mais je sais pas si... Le problème c'est que... Ouais, à part l'éliminer, je vois pas ce que je peux faire. Mais... Bah ouais. Arrête de me virer dessus! C'est dégueulasse. Ah mais attendez. Ne me dites pas qu'il fallait que je fasse ça plusieurs fois. Parce que là c'est loose. J'ai trop traîné, hein, avant de comprendre. Ah, peut-être pas loose. Ah non. Ça pique un peu, j'avoue, mais... C'est juste une illusion. Non, pas le vomi. Saloperie. Tout le temps, moi. Ouais. Non mais vite. Ça peut être fini là? Trois coups. Trois coups c'est bon non? Infini. Infini ce boss. C'est bien hein. Tout claqué. Eh ben. Merci. Pas besoin de le dire deux fois. Sans déconner. Ah j'ai jamais remis la canne. Tant pis. Hein. Tant pis. Ah bah l'azote. Voilà. J'ai claqué toutes mes balles. Mais bon. Bon. En vrai, non, il me reste des ressources. Ça a marché. Retire-la avant qu'elle dégèle et se réactive. Mais jette ça. Est-ce que ça va, Chris? Ouais, ça va. Tout va bien. Ok, Lucas.
À nous deux maintenant. La situation est sous contrôle. Chris, on a repéré une zone derrière le tunnelier. Lucas ? Peut-être bien. Essaie de voir si tu peux y accéder. Compris. Oui, cette fameuse... Oui, bon, on avait vu qu'il y avait un truc avec lequel on pouvait interagir, mais on pouvait pas. Donc, ouais. Ok. J'ai rien laissé derrière moi, là ? Je crois pas. Hein. Bon. Bah, très bien. Ouais. En vrai, il me reste des balles, mais... C'est vrai qu'au début, je pensais qu'il était sensible qu'au truc... qu'aux munitions spéciales. Donc, je suis un peu deg de les avoir toutes utilisées sur lui. Mais bon. C'est pas grave. Et du coup, c'était une barre de vie. Donc, les coups de poing, ça devait juste lui mettre des gros dégâts, mais... C'est pas essentiel, je sais pas. Chut, les bruits, là. Au secours, je suis où? Au secours, je suis où, là? Je suis perdu, hein. Sachez-le, je suis perdu. L'ascenseur. Ah, mais oui, c'est bon. Ok, c'est bon, je suis plus perdu. Ça y est, je sais. Je sais où je suis. Trois pièces! Il m'en manque qu'une, hein. Normalement. C'est dommage, hein. Parce qu'on la trouvera jamais, on la trouvera jamais, hein. Mais... Mais il nous reste plus qu'une pièce. On aurait eu toutes les pièces, quoi. Bon, je regarde si elle est pas là. Hein. Imaginez, ce serait ouf. Enfin, je dis on aurait eu toutes les pièces. S'il y a bien que 8 pièces, quoi. Bon. Let's go. De toute façon, voilà. Le but n'est pas forcément de faire un 100% non plus, hein. Même si on avait trouvé tous les documents dans le let's play de base. Alors, oui, il y a un truc là. Mais... Ah non. Ah ouais, mais alors attends. Bon, il se passe un truc, attends. Ah, regardons, mais... What the fuck? Ok. Mais ouais, voilà. C'était ici. Il y a un endroit verrouillé. Parce que j'ai eu la clé, mais la clé, je m'en suis servi qu'à deux endroits, alors que j'en... Voilà, j'ai ça aussi. Et là, la clé, elle sert plus à rien. Ça peut pas être là, la pièce antique. Ça aurait été parfait. Hein. Ça aurait été parfait si elle avait été là, mais bon. Du coup... Ah oui, du coup, j'ai plus de grenades. Non mais... C'est quoi ? Tu prends ça, tu le mets là. Ensuite, tu prends ça, tu l'utilises. Voilà. Ensuite, tu prends la carte. On regarde si on a vu toutes les salles. Mais visiblement, oui. Parce qu'en fait, il me dit pas que ma clé, elle est inutilisable. Donc, je comprends pas. Mais, bon, après, la carte, elle est dégueulasse. Hein. Faut le dire, la carte, elle est dégueulasse aussi. Hein. Bon. Tant pis, hein. On va poser nos pièces et on y va. On va quand même poser nos pièces pour la beauté du geste. Hein. Juste parce que... parce qu'il nous en manque qu'une, on va toutes les poser. Voilà. Très bien. Écoutez, hein. Après c'est pas grave. Hein. On s'en remettra. On va sauvegarder, parce que je le fais jamais. Non mais j'ai jamais sauvegardé. Attendez, mais j'ai sauvegardé l'épisode précédent, non? Non. Comment je me suis démerdé? Bon, on va garder tout. Comment je me suis démerdé pour jamais sauvegarder?
Et là, il y avait la pièce antique. Hein ? Ah, la vision nocturne ? Mon hub ? Encore de ce monde, on dirait. Très impressionnant, mon ami. Très impressionnant. Voyons voir si tu peux encore m'impressionner. Coucher. Vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez. C'est en train de devenir embêtant ce soir. C'est en train de devenir très embêtant. Non. Bon. Peut-être que t'es bon. Peut-être que t'as du bol. Couché. Mais non. Ah, oh, 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 oh. Ah, ouais. Pas de bol. Pour le coup, pas de bol. Ok. Bah ouais, je sais. Oh mais non. Mais non. Au secours. Prends d'avis. Soigne-toi. Merci. C'est un peu chaud quand même. Tu ralentis, Christopher. C'était limite sur ce coup-là. Oh, ta race. Hein. Ok. Ok, j'ai mes raccourcis. Eh ouais. Mais non, mais. Bah, il faut. Bah, ouais, mais. Quoi ? Non, mais il rate pas ! Non, mais il rate ! Connard ! Court, merci. Voilà. C'est nul. Je me fais vomir dessus. Alors, faudra arrêter au bout d'un moment en fait. C'est pas drôle. En fait, là, ça me fait plus rigoler. Au secours. Bon. Est-ce que comme ça vous comprenez? On va faire comme ça. Moyen. Pas non plus que je te plaigne, du con. Je sais. J'ai fait des choses terribles. Horribles, même. J'ai tué des hommes. Je les ai torturés. C'est la dernière connerie. J'ai voilà. J'ai apprécié chaque seconde, mon petit pote. Tout comme je vais apprécier de te voir brûler. Début du compte à rebours avant des Tu entends ça? J'ai
l'impression que ton temps est compté. Tic-tac, Christopher. Hein? Tic-tac. Si tu veux me tuer, alors tue-moi. Mais une bonne fois pour toutes, ferme-la. J'aimerais bien rester et te regarder vous harmoniser. Je peux pas. On m'attend ailleurs. C'est un peu problématique, ça. Pas un truc qui veut s'ouvrir, là. Ah. Bon, ça va aller. Allez, sors. Ah. Pas censé exploser maintenant, hein. Je sais pas si je peux tirer. Ça se passe, hein. Par contre, Lucas, il est en train de fuir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, il ne donnera jamais ses infos, en vrai. En vrai. Chris, rien de cassé ? C'est bon, je suis vivant. Ouais. On a intercepté un email que Lucas vient d'envoyer. D'Umbrella et de Redfield. Tout ça m'a fait perdre du temps. Eux ont perdu bien plus. Mais je peux encore vous envoyer ces données, comme ça on sera quitte. Il croit que je suis mort. Il faut en profiter. Il a envoyé ça à qui? On est encore en train de décrypter ça. Occupe-toi de Lucas. Tiens-moi au courant. C'était par là. C'était par là. Pas des petites balles là qui se cachent? D'accord. Ah bah ouais, parce que là il nous croit mort, du coup il a enlevé ses pièges. Eh ouais. Eh ouais, Lucas. Hein? On est où là? Allô? On va retourner chez les Baker, je vais rien comprendre. Bon, attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est cet endroit? 12 minutes après administration. Calcification? D'accord. 5 minutes après administration, vomissement. Mmh. Superbe. Je vais vous laisser tranquille. Hein. La map. C'est pas fini du tout. Hein. Laboratoire. Ah bah oui, bah attendez, évidemment. Resident Evil sans laboratoire, ça n'existe pas. Et ça vaut aussi pour le DLC, visiblement. Bon, moi je vais avancer un peu au pif. Hein. C'est verrouillé de l'autre côté. Niveau munitions, ouais. On va reprendre, on va remettre ces balles, voilà. Parce que vu qu'il y a un gros monstre blanc dégueulasse ici, on va pas se gêner. Comment ça, Graou, Graou? Pourquoi ça graoute à côté, là? C'était lui? Really? Jackpot. J'en ai ma claque de ce Lucas. Ils viennent de lui donner mon poste à la tête des recherches. Pour qui ils me prennent? Pourquoi est-ce que moi, diplômé de Stanford en microbiologie, je travaillais sous les ordres de cet abruti? Tout ce qu'il fait, c'est jouer avec les cobayes en les faisant se battre entre eux, et réaliser des autopsies juste pour le plaisir. Ce type est malade. N'a aucune idée du potentiel du Mutami 7 de série E. Je vais parler de son attitude au prochain meeting avec le QG. Ouais, ouais, ouais. À mon avis... à mon avis, c'est peut-être toi, en fait, ça. Je suis pas sûr que Lucas, il l'ait bien pris, ce truc-là. Après, c'est vrai que, bon... ça va pas dans la tête de Lucas, quoi. Donc, lui donner des responsabilités... J'avoue que... Lucas. Ah bah. Faut pas qu'il me voit. Du coup, faut pas qu'il me voit. On va dire qu'il faut pas qu'il me voit. Hein? On va jouer comme s'il fallait pas. Ah mais non!
Tout à l'heure, je suis passé, il y avait un gros truc, maintenant j'y vais, il n'y a plus rien. Pourquoi cette ambiance sonore? Pourquoi elle est isolée, la pièce? Ah, WM002. Charmant. The fuck you line. Oh, The Old Man, et j'arrive pas à lire la suite, pour le coup. Mais il y a l'air d'avoir un truc écrit. Hein. Écoutez. Il y a l'air d'avoir un truc écrit. Ouais. Ah. Charmant. Ça, c'est le WM01. World Monster. Et ça, c'est le WM001A. Parce que c'est des petits de lui. Super. C'est ses bébés. Ouais. Une pièce de décontamination. Une cellule d'isolement. Non mais il y avait un truc tout à l'heure. Il y avait un gros monstre. Bon toi désolé mais pas le temps. Pas le temps de changer de munitions. C'est un peu du gâchis certes mais... Donc ça c'est... Ah au secours, c'est Eve et Evelyn et... comment elle s'appelle? Mia. Voilà, c'est Mia. Mais attendez, parce que eux ils travaillaient pour qui d'ailleurs? Parce que Mia, elle a, c'est elle qui s'occupait de Evelyn, mais on sait pas trop pour quelle organisation elle bossait en fait, finalement, je crois. Rapport sur E001, donc Evelyn. État de santé, bon. État mental, bon. Sécrétion de mutasmicite, normal. Mutamicite. Bon, pas de notes. Aucun changement significatif. Elle passe son temps à jouer à la poupée. Elle a transformé Deka en mycomorphe aujourd'hui. Aucun changement significatif. Rien à signaler. Le 12 août 2016, donc un mois après. Non, moins d'un mois après. État de santé, tout. Fatigue. État mental légèrement stressé. Elle sécrète plus de mutamicite que d'habitude. Après avoir joué à la balle avec papa. Papa, c'est Jack. Ou c'est son faux. Ah, ou c'était son père à ce moment-là, genre, puisqu'il se faisait passer pour une famille. Elle a commencé à se plaindre d'être fatiguée. Elle a changé en un gars en mycomorphe colosse. La base. 26 août. Donc, ouais, 15 jours après. État de santé mauvais. État mental stressé. Sécrétion de mutamicite élevée. Note, vieillissement prématuré. Ah, ça y est, elle commence à devenir mamie. Elle vieillit tout d'un coup. Elle a perdu du poids. Ah, mais non, ça doit être les rapports de Lucas, du coup. Parce que Mia, elle devait pas travailler pour la même organisation que ce qui bossait Lucas, je pense. Je pense. Elle a perdu du poids, ses cheveux commencent à tomber, la totale. Plus elle crie et plus elle vomit. Bien sûr. Le sous-sol est salement contaminé. Aucune cause apparente à ce vieillissement. Je vais demander plus d'instructions. Le 9 septembre, état de santé faible mais stable. Déprimée, incohérente. Stable. D'accord. Le vieillissement a ralenti et semble plutôt stable. La compagnie nous a envoyé la nécrotoxine E. Nous avons pour ordre de l'utiliser si elle devient hors de contrôle. Moi qui pensais être bizarre. D'accord. Donc ils ont eu un truc pour l'éliminer, c'est ça? Au secours. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais ok. Donc là, c'est la poupée d'Evelyn. Et ça, c'est la poupée de Mia. Qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. Mais c'est là. Bon. Bah, j'ai fait le tour, je crois. J'ai fait le tour. Bah, j'ai fait le tour, sauf les deux portes que j'ai pas... Ouais. Bon. En fait, faut passer par Lucas, mais faut pas qu'il me voit. Mon gameplay, c'est qu'il faut pas qu'il me voit. Même si, à mon avis, c'est scripté, et donc il va me voir, mais...
Non mais de toute façon il va forcément savoir que... Ouais, bon. Je sais pas pourquoi j'essaye de faire genre je suis discret. Mais... Allez, c'est parti. Oh bordel, c'est pas vrai. Coucou. Lucas. Ah mais... Comment on fait pour la porte qui était là-bas? Au pire, j'échoue la mission parce qu'il s'est enfui. Hein. Mais moi, je veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. Faut pas mettre des portes fermées. Hein. J'aime bien la musique en mode le stress. Je m'en suis rappelé devant la porte que c'était verrouillé de l'autre côté. Au pire, j'ai pas perdu, hein, visiblement. On n'a pas le droit de lui tirer dessus. On peut pas le tuer, ils ont dit. C'est triste. Moi, je suis triste. Vous voulez me venger? Oh non. Ah non. Ah non. J'ai tué tous les chercheurs des connexions. Ok, Lucas. Vous avez tendance à mettre leur nez là où il ne faut pas dès que j'avais le dos tourné. Est-ce qu'ils pensaient vraiment la faire à l'envers? Bah, j'imagine qu'ils n'aimaient pas être sous mes ordres. Bref, je les ai foutus en cage avec quelques mycomorphes. Ils se sont chiés dessus et ils m'ont supplié de les épargner. J'espère juste que je vais être capable de garder mon sérieux quand je devrais rapporter leur mort accidentelle. C'est sûrement le bon moment pour couper les ponts avec les connexions. Je suis seul à pouvoir vraiment profiter de la moisissure d'Elvin. Super. Ouais, ils voulaient les doubler, quoi. En plus de ça, ils voulaient les doubler. Ah, d'accord. Bon bah ok, vous savez quoi, on va s'arrêter là hein, pour cet épisode, hein, parce que ça commence à faire long, je sais pas, je pense qu'on est proche de la fin, mais... Acheteur pour les données 2, trouvé, prêt pour le transfert des données. Ah mais d'accord, ouais, il est en train de complètement griller, d'accord. Il les a complètement grillés les autres. Ok, y a d'autres trucs à voir ici? Oui, alors l'ordi. J'ai eu un petit imprévu, mais ça y est, l'affaire est réglée. Je vais envoyer les données de sérieux maintenant, ça ne devait pas prendre longtemps. Une fois que tout sera transféré, je me tire Dium. Ouais, bon, il a pas eu le temps d'écrire la suite, j'imagine. Ok, bah écoutez. Hop. J'ai une clé là qui me sert à rien. Autant la poser. On me dit pas qu'elle me sert à rien, mais voilà. J'ai un crochet que j'ai ramassé récemment, je crois. Donc, bon. On a tout vu ici. On a tout vu ici, je pense. Donc, très bien. Bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se dit à bientôt pour la suite et sûrement la fin de notre let's play sur Resident Evil 7, le DLC numéro 1, Not a Hero. C'est un peu long. C'est un peu long à tout dire. Portez-vous bien. Bye bye.